cheval, la place du Vieux Marché. Habillé en tenue de travail et talons hauts. Alors j'ai fait ce que j'ai pu avec des talons pas trop hauts parce que le cheval était bien grand. C'était une expérience sympa et riche de rencontres puisqu'on a échangé avec des personnes de la communauté de communes, des entrepreneurs et des musiciens, des artistes. Un moment très sympathique. Le Pays d'Iroise a cette richesse naturelle qui fait qu'en campagne ou bord de mer, nous dirigeants, quand en général on doit faire face à un problème ou absorber une pression forte avant en fait, des événements stratégiques, on a l'habitude d'aller régulièrement profiter de ces espaces et en général en fait, de trouver de bonnes idées. Eh ben, c'est une expérience tout à fait nouvelle pour moi en tout cas. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant puisque là, je devais arriver en kitesurf sur la plage et d'un seul coup me retrouver assis à un bureau. Donc c'est vrai que c'était tout à fait amusant et c'est avant tout cela qui m'a beaucoup plu. Ce qu'on nous a demandé de faire sort un petit peu de ce qu'on a l'habitude de faire dans le monde de l'entreprise parce que venir faire la planche à voile en costume, j'avais jamais fait. Mais je pense que c'est aussi une façon de rencontrer d'autres interlocuteurs dans notre beau pays et donc de faire du collaboratif qui est quand même une façon de travailler aujourd'hui qui est particulièrement efficace. Ce qui m'a plu dans ce projet, c'était vraiment le décalage entre le bureau et le cadre. Et de sortir le bureau du cadre, justement, et en plus dans des sites vraiment exceptionnels, parce que la plage de Carnes, c'était magnifique. Là, je suis en train de parler devant une éolienne qui fait un bruit dingue, d'ailleurs, et avec mes amis, les vaches, derrière moi. Rendez-vous au lieu dit Kerbirlou dans un champ avec des vaches au pied des éoliennes. Ouais, sur le papier, sympa, sauf qu'en fait, c'est vraiment en plein milieu du champ, en plein milieu des vaches et dans la tenue business, donc talons et tout. Si ça m'était arrêté là, ça aurait été plutôt sympa, sauf que c'était pas fini. Ils m'ont dit, mais Rosen, on a prévu un truc pour toi, il faudrait que tu mettes un casque et que tu fasses du vélo et que tu arrives en vélo. Donc, par un temps idéal, une chaleur d'été indien en plein milieu de Plumeauguerre, il a fallu faire plusieurs prises, pas mal de prises, en vélo. Donc j'ai eu chaud, mais non, c'était plutôt sympa. Inattendu, mais sympa. Ce petit film nous aura permis de dessiner peut-être des nouveaux contours, de méthodes, de nouveaux fonctionnements d'équipe. Si demain des femmes, des hommes et surtout des jeunes ont envie d'entreprendre, eh bien, je crois que l'Iroise a vraiment toutes ses qualités pour développer des projets de création et puis sans doute pour construire et puis bâtir l'avenir. Le message, effectivement, c'est que ici, chez nous, on a tout pour entreprendre et être efficace en Pays d'Iroise.